Directeur général unité lutte contre corruption, ancien colonel Antoine Atouriste, annoncé Haïti a bien pour présenter sous tribunal OEA, sorti 14 pour arriver 21 mars cap venir, rapport sur indice corruption, yon groupe expert haïtien te fait sous Guyana. Monsieur Atouriste profite préciser, Haïti a gagné pour le Sibi pendant l'année 2014 là, deux évaluations dans quatre batailles contre corruption, selon demande OEA Nations Unies. À la tête ULCC a bat bravo pour bataille li kwè gouvernement mené contre corruption dans pays ya. Li ajoute y a continué goumen pour permettre Haïti occuper yon pi bon place dans rapport mondial sous corruption Transparency International. A gagné pour mettre dehors pendant l'année 2014 là. Suivre déclaration Antoine Atouriste dans une conférence pour la presse dans Primatia, Vilner Joseph à Colin Hildorest t'a assisté. Nous avons fait un bon travail, un travail qui a changé l'image d'Haïti, un travail qui nous a permis de revendiquer notre place de choix dans le concert des pays de prestige et de dignité de la Caraïbe. Est sorti de 175e sur l'échelle des Nations Unies à 163. En 2011, on était 175e et maintenant on est à 63 et on avance. Actuellement, en octobre dernier, Haïti, de concert avec Trinidad et Tobago, a été allé en Guyane à évaluer Guyane. Rapport par rapport, c'est après, rapport que nous avons fait, évaluation que nous avons fait avec Guyane, non? Nous autres, des experts d'Haïti, les prêts, nous allons le présenter en mars prochain devant l'Assemblée générale de l'OEA. Nous allons aller à Caillou déjà, qu'on nous allons remettre le rapport officiellement en septembre, en mars prochain. Maintenant, pour ce qui a trait à Haïti maintenant, justement dans ce même ordre d'idée, dans le cadre de respect, comment Haïti respecte et applique la Convention SAR, nous gagnons le Panama et l'Équateur qui a venu en Haïti du 7 au 11 avril. Il est clair que Haïti va occuper une place de choix et notre rapport sera un rapport très positif puisque il y a tout le travail qu'a fait Haïti a été salué, comme vous le savez, par le monde entier, même par la Transparency International. Et la Transparency International a eu à dire si cette loi a été votée avant décembre dernier, eh bien, Haïti aurait une place vraiment extraordinaire dans le concert des pays de l'Amérique et de la Caraïbe.